We'll try to give you the case of Congo in Central Africa, but if my English is not fluent, I will try to speak in French easily, and my friend will translate in English for you. But the presentation is in English, you can read. I must give a lot of explain for each part. Merci. Le contexte de la RDC, la carte que vous voyez là-bas est celle de notre pays, qui est au centre de l'Afrique, qui est un grand pays forestier avec trois grands groupes d'écosystèmes. La grande partie est couverte par le forêt dense humide. Et nous avons vers l'est le forêt de montagne. Et en bas du pays, nous avons le mosaïque forêt savane. So, good morning everyone. I will give you an introduction to the community forest mechanism in the Democratic Republic of Congo, the DRC. So, as you might already know, the Congo is a gigantic country in the middle of Africa. On the map here, you can see the forest cover of the country, and the forest can be divided in three different forest groups. In the northwest, the vast majority of the DRC forest cover is of dense and humid rainforest. On the eastern part, you find the mountain forest, and in the south, you find a mosaic of savanna. Le forêt de la RDC représente environ 155 millions d'hectares qui couvrent 65% du territoire national. C'est le deuxième massif mondial tropical et qui a la capacité de stocker environ 140 gigatonnes de CO2, ce qui représente des grandes émissions. Et ces forêts sont utiles pour la vie de plus ou moins 40 millions de populations qui vivent dans et de la forêt, sur 70 millions au total. Et dans les 40 millions, nous avons au moins 80 000 indigènes, population autochtone. 800 000 plutôt. So, the Congo Basin, which covers several countries, but that is mostly based in the Democratic Republic of Congo, is the second biggest rainforest in the world after the Amazon Basin. It covers 155 million hectares, which represents 65% of the national territory. It has the capacity to stock up to 140 gigatons of carbon dioxide. And it is home for approximately 40 million people. So out of the 70 million inhabitants in the Democratic Republic of Congo, 40 million directly depend on the forest for their subsistence. Among those 70 million Congolese inhabitants, it is estimated that there are approximately 800 indigenous people living in the forest. Et ces peuples indigènes pygmées sont répartis en plusieurs groupes dans presque la majorité des provinces du centre et de l'est, sauf peut-être la province de l'ouest où nous avons le peuple Bachoa, le peuple Toa, le peuple Chua et les Bambouti. Ce sont ces groupes qui constituent l'ethnie des pygmées en RDC. So the indigenous people in the DRC are commonly called pygmy people, and the pygmy term is actually an umbrella term
that gather several indigenous people groups, among which the Chwa, the Bachwa, the Bambuti, etc. Et par rapport aux terres et aux forêts et toutes les ressources, la loi dit que tout appartient à l'État. Donc, la terre et toutes les forêts appartiennent à l'État. Et sur toute cette totalité-là, l'État a déjà affecté environ 14% du territoire national en aires protégées. Et l'objectif, c'est d'atteindre 17%, ce qui constitue des challenges énormes pour ces espaces qui, du reste, sont utilisés pour la vie des communautés locales et des peuples autochtones. Et aussi, sur ces forêts, 15% sont consacrés à l'industrie extractive du bois. So, as per the law, the Congolese state is the sole owner of the soil, the subsoil, and also of the forest cover. And out of the total forest cover in the DRC, the state has already affected 15% of its forest cover to conservation, to protected area. And the Congo has the objective to reach 17% of its entire forest cover to be converted in protected area. And this causes major challenges because, as we just said, indigenous people and other groups are dependent on those forests. Also, 15%, approximately 15% of the forest cover has been allocated to industrial logging. So, cette carte montre la configuration de l'occupation du sol pour deux secteurs. Nous avons la conservation, qui est un peu en vert là, clair. Ce sont les zones de conservation, dont certaines ont été instituées sans un consentement des communautés locales qui ont été chassées, et des peuples indigènes qui ont été chassés de ces zones. Et un peu plus en jaune, nous avons la configuration qui est un peu ancienne de concessions forestières qui sont opérationnelles. Et dans cette répartition, vous pouvez ajouter les carrés miniers qui couvrent presque tous les territoires. Vous pouvez y ajouter aussi le périmètre où on a déjà découvert des gisements de pétrole. Et vous allez voir, si j'avais mis cette carte, elle est là, malheureusement je ne l'ai pas mise ici, vous verrez qu'il y a des superpositions de différents usages, ce qui crée un problème réel d'utilisation entre les industries extractives et les communautés locales des peuples autochtones. So, on this map, you can see a partial, partial allocation of the land in the DRC. In green are the represented the protected areas, and in orange you can see some of the concessions, logging concessions, that are in activity currently. And this map shows only part of the allocation, part of the existing allocation, because if we were to show, for example, the mining titles, as well as, for example, the oil sectors, you would see that first that there is a lot of overlap between different titles of different extractive industries, and you could also see that there is very little left for local communities, and this has been creating, this has been the source of major conflicts. Et comment est agencée la foresterie communautaire dans notre pays? Là, la loi a donné la possibilité aux communautés locales de gérer et d'exploiter leurs terres traditionnelles de manière durable et de manière communautaire, donc collective,
pour impulser au fait le développement. Tel est l'objectif de la foresterie communautaire. Donc, un, il faudra que les communautés gèrent leur terre traditionnelle, mais pour le bien communautaire et pour le développement local. Aussi, ces espaces que l'État va donner en concession forestière, après concession forestière des communautés locales, ce sont des titres qui sont perpétuels. Et de deux, ce sont des titres dont la superficie maximale peut aller jusqu'à 50 000 hectares. Et trois, une autre caractéristique de ces forêts communautaires, ce sont des forêts qui sont consacrées à des usages multiples. Ça, c'est vraiment une caractéristique spécifique au concept de foresterie communautaire en RDC par rapport même à la sous-région de l'Afrique centrale, parce que dans ces espaces, on peut y valoriser les produits forestiers non ligneux, on peut y faire la conservation, on peut y faire la séquestration de carbone, on peut y faire l'agriculture durable, l'agroforesterie, le reboisement, l'exploitation artisanale du bois, le tourisme ou le paiement des services environnementaux. Toutes les affectations, les options de gestion dépendent, un, de potentialité des ressources qui sont dans l'espace, et deux, ça dépend du choix des communautés locales. So, since the early 2000s, the Democratic Republic of Congo opened the way for community forest. Here it is important to define what community forest in the Democratic Republic of Congo entails, what it means, because what we have learned over this last week is that community forest can have very different meaning in various regions of the world. So, as I was saying earlier, in the Democratic Republic of Congo, the state has the sole ownership of the forest. So, one first characteristic of community forest in the Democratic Republic of Congo is that it is the state that attributes a concession to the community, and through this concession title, the state delegates its power, its prerogative for forest management. That's the first aspect. So each community that desires to, that desires it, can request a concession title on its traditional territory. The maximum superficie of such a concession is 50,000 hectares. On this concession, the local community will have the responsibility to use and exploit its traditional forest resources in a sustainable way and for the benefit of the entire community. Another important characteristic of those concessions is that this concession title is that they are perpetual. So once a community gets a title, it is forever. And finally, a very unique and pioneering characteristic for community forest in the DRC is that it has no predefined mode of management. So a community should be freely able to determine which uses they want to apply in their forest management. And those uses are, there is a wide range of uses that the local community can choose from, as long as the only restriction is that it has to be sustainable. And so among those uses, we can name a few, such as conservation. They can decide to allocate part of their forest for forest preservation.
they can benefit from the REDD plus mechanism. They can practice sustainable agriculture, agroforestry. They can even do artisanal logging, tourism, payment for environmental services, etc. Et ces usages se font de manière durable sur base d'un plan simple de gestion adapté à l'option qui aura été choisie par les communautés locales et peuples indigènes. Et vous comprendrez là donc que parmi les outils de mise en œuvre, l'État et ses services techniques ne vont mettre qu'un modèle de plan simple de gestion, parce qu'il faut l'adapter aux différents usages. So, the Congolese state will provide the community with a template for management plan, and this template will be adjusted to each community according to the various uses they want to see implemented in their concession. Donc, vous comprendrez que la foresterie communautaire en RDC est basée sur le droit coutumier d'abord, la possession coutumière des espaces. Et aussi la concession que l'État va donner aux communautés locales est donnée sur n'importe quel type d'écosystème, que ce soit en savane, que ce soit en forêt, pour la simple raison que les usages sont multiples. Il ne faudra pas qu'on parle seulement de la forêt. Vous avez vu la configuration de la carte de la végétation. Nous avons la forêt dense, les forêts de montagne, les savanes et tout ça. Donc, il ne faudra pas priver une seule communauté de la possibilité de demander un espace en gestion. Enfin, la communauté locale est définie dans la loi comme étant un groupe qui a une histoire commune sur l'espace. Donc, le caractère traditionnel doit partir d'une histoire commune sur l'espace et des relations qu'entretient cette communauté avec la Terre. Donc, ce sont là les caractéristiques de cette foresterie communautaire et qui ont été soulignées dans la loi. So, again, a local community will have the opportunity through the community forest mechanism to gain access to a concession title on its traditional territory. So on the ecosystem that the community has customary rights on. And it is important to stress that this is that the concession won't be limited to the forest ecosystem. It can also extend to savanna or other ecosystems. Finally, who can request a concession title? The law says that it is local community who must approach the state to request a concession title. But now the question becomes, what is a local community? How do you define it? And the Congolese state has made an attempt to define local communities as a group that has a common history and that has a specific relationship with the land it inhabits. Et une histoire commune signifie qu'on peut trouver dans certains milieux en RDC des peuples indigènes pygmées et d'autres groupes ethniques qui ont la même histoire, parce que ce sont deux groupes qui ont évolué ensemble parfois. So, having a common history is quite a loose criterion. It means that two groups that have no clanic relation, that have no common ancestor, can be considered as one local community. Quelles sont alors les différentes étapes pour la promotion de la foresterie communautaire en RDC?
En 2002, il y a eu la promulgation du nouveau code forestier qui, dans son article 22, a stipulé qu'une communauté telle que nous l'avions définie peut demander un espace sur l'entièreté ou une partie de la terre possédée en vertu de la coutume à titre gratuit et de manière perpétuelle. C'est ce que dit la loi dans l'article 22 du code forestier. Et en de 2007 à 2012, il y a eu deux projets, le projet Forcom de la FAO avec le financement belge et le projet Forcol de Forest Monitor, qui est une ONG britannique, avec le financement de DeFi, qui ont essayé de mettre en œuvre sur le terrain ce nouveau concept de foresterie communautaire en RDC. So now I would like to give you a quick overview of the key milestones that led to the implementation of community forest in the DRC. And community forest was first introduced in the DRC in its 2002 forest code. So the 2002 forest code already states that local communities should have the possibility to get access to a concession on part or the entire territory that they possess according to their custom. Between 2007 and 2012, there were two major pilot projects that were experimenting community forest and that informed the legal framework for community forest. Et en 2010, il y a eu création d'une section qui est une sous-division que nous appelons ça, la division de la foresterie communautaire, dans la direction de la gestion forestière au ministère de l'Environnement pour s'occuper uniquement du suivi et de la coordination de ce processus qui est nouveau dans la loi. In 2010, the Department for Community Forest was created and it belongs to it depends on the Ministry of Environment. Et de 2014 à 2016, c'était le moment où on s'est battu pour que les cadres réglementaires de la foresterie communautaire soient maintenant mis en place. Et nous avons eu les décrets qui définissent les modalités d'acquisition de la concession en 2014. Tandis qu'en 2016, deux ans après, nous avons obtenu l'arrêté qui donne les dispositions relatives à la gestion et à l'exploitation des ressources dans les espaces qui seront donnés aux communautés locales. Puis, on a discuté aussi sur un guide qui a été adopté, le guide de consentement libre et informé des communautés locales pour toute affectation, parce qu'au fait, dans le code forestier, on parle de la consultation, on ne parle pas de clip. So, almost 15 years after community forest was introduced in the Congolese legislation, the legal framework for community forest, so the legal instruments that are necessary for community forest to be implemented, were adopted. So this is to say that it took almost 15 years between the introduction of the concept and the adoption of the final text for its implementation. And 15 years of very intense advocacy work led by the civil society. What are the instruments that that they have been fighting for? The first one is the decree that defines the acquisition process. So what are the steps for local communities? What are the documents that they need to provide to make a claim and get a concession title? So that was defined in the first decree, and the second decree defined how the community should organize itself and what will be the rules for the management and the exploitation of their customary forest. In parallel of that was developed a guide that makes explicit
the free, prior, and informed concept. The FPIC, that I assume you all know, is never mentioned in the forest law in the DRC, but it was very important for civil society to develop such guide to show what are the important steps to ensure that the local communities are consulted and that the local communities are in the actual driver's seat of community forest. Comme tu l'as déjà dit, Kevin, c'est le résultat d'un travail fait par la société civile et nous sommes personnellement un des acteurs qui a commencé avec Forest Monitor dans ce processus et qui s'est battu au jour le jour pour que nous arrivions à ces cadres réglementaires. Et qu'est-ce qui est d'actualité maintenant? Maintenant, sur le terrain, nous avons des projets pilotes à travers les différentes provinces du pays et où nous avons quelques projets pilotes qui sont implémentés par les peuples indigènes pygmées. Aussi, on a mis en place une table ronde multi-acteurs sur ce processus au niveau national et au niveau provincial. Et c'est notre organisation, le Centre d'appui à la gestion durable des forêts tropicales, qui est en train d'animer cette table ronde multi-acteurs pour regrouper tous les acteurs concernés par le processus afin d'instaurer un dialogue sur comment nous pouvons mener ce processus, quelles sont les difficultés, quels sont les challenges et quelles sont les solutions pour pouvoir les surmonter. D'où viendrait le moyen? C'est donc un cadre où les gens dialoguent, échangent l'expérience et coordonnent l'utilisation de moyens pour pouvoir mener à bien ce processus. C'est un grand challenge que de réunir les gens avec des visions différentes dans un cadre pareil. Mais nous y parvenons quand même parce que nous sommes déjà à la 4e édition de la table ronde multi-acteurs. Et bientôt, on va organiser la 2e édition provinciale. Au niveau national, il y a déjà 4. Au niveau provincial, au mois de décembre, fin novembre, on ira à l'Est pour la 2e table ronde provinciale. Aussi, notre organisation, le CAGDFT, est en train aussi, commandité par la division de la foresterie communautaire, a pu écrire de manière participative avec les autres parties prenantes la stratégie nationale relative à la foresterie communautaire, qui est un document normatif imposable à tous, mais qui, lui, établit des critères pour le projet pilote, mais aussi qui a mis en place une période expérimentale, parce que nous voulons apprendre des expériences de la sous-région, apprendre des expériences du monde entier, comme nous sommes là, c'est pour apprendre, et comment. Alors, pendant 5 ans, on peut implémenter le cadre réglementaire et voir qu'est-ce qui a marché pour qu'après évaluation, qu'on puisse changer. Mais aussi, il y a des outils qui ont été mis en place, qui sont en train d'être expérimentés dans ces projets pilotes. Voilà là où nous en sommes aujourd'hui. So again, this was Theo was very much insisting on the fact that the adoption of community forest in the DRC was not an easy process and it required a very long and coordinated advocacy work by the civil society in the Congo. Now, where are we today in terms of implementation of community forest? Well, there are some pioneering projects, pilot projects, that are mushrooming all across the national territory. And some of those projects involve indigenous people because there are some specificities which we might talk about later. When it comes to indigenous people and community forest.
Another important work that is going on today is that because there are so many projects, that community forest projects that are mushrooming everywhere, it is very important to try to make all those efforts, to give coherence to all those efforts. And so Théophile Gatta and his organization, they have organized roundtables, which are meetings gathering all the stakeholders involved in community forest, who come, gather, and discuss what are the best practices. It also involves the authorities, the administration, they participate in them, in those roundtables, because it is important to stress that authorities and administrations are a key player in the implementation of community forest in the DRC. Also, and through those roundtables, were developed and adopted a national strategy for the implementation of community forest in the DRC. And this national strategy entails a 5-year experimental phase where there will be learning by doing. So through all those pilot projects, after a 5-year period, it will allow us to assess the performance of community forest and to assess also the legal framework of it. What are the challenges? A lot of, because we, comme on a institué, une période expérimentale à cause des défis énormes qu'il faut relever. Et parmi ces défis, il y a les capacités très limitées de l'administration au niveau national et au niveau provincial pour faire le suivi et la coordination du processus. C'est ça le rôle de l'État. Mais ces services techniques n'ont pas les capacités requises. Il faut les relever. Capacités techniques, capacités opérationnelles, ce sont des challenges. So I will now show some of the few challenges that we are facing for the implementation of community forest in the DRC. And the first of those challenges is the very limited capacity from national and local administration. So one key, we know that in the upcoming period, it will be extremely important to develop those capacities, to work hand in hand with the local administration to ensure the success of the process. Et un autre challenge, c'est la décentralisation. La décentralisation peut être vue comme étant une opportunité, comme aussi un défi énorme. Opportunité dans ce sens qu'il délègue, la gestion du niveau centralisé au niveau local, aux autorités qui sont là, parfois peut-être sans capacité, aux communautés locales, c'est une opportunité. Mais un challenge parce qu'il y a déficit de capacité à ce niveau-là. Comme il y a déficit de capacité, que faire? La décentralisation risque aussi de créer un problème. Mais aussi, ce processus vient avec la multiplication des problèmes. Quand la loi a été prise, il y avait 11 provinces. Maintenant, nous sommes passés de 11 à 26 provinces. Donc, c'est vraiment un problème quand on sait que c'est au niveau provincial que le titre devra être donné aux communautés locales par le gouverneur de province. Il y en a donc qui ne savent rien du processus. So, another aspect is that since the early 2000s, the DRC has been undergoing a decentralization process. So there has been a progressive transfer of responsibilities from the national level toward the provincial and sub-provincial levels. And this could be seen as an opportunity for community forest because it means that the local administration will have an increasing power. For example, the concession for community forest are delivered by the provincial governor. But at the same time, it can be extremely challenging because those local administration, again, have very little capacities. Quite a lot of them have actually never even heard about the community forest.
Un autre challenge, c'est les capacités techniques et opérationnelles limitées des ONG qui accompagnent les communautés locales. Pas seulement des ONG, même des communautés elles-mêmes. Les communautés ont aussi à pouvoir être renforcées dans leur capacité à mieux se structurer, à mieux gérer de manière communautaire l'espace et les ressources. Mais aussi, il y a un autre problème, c'est celui des coordinations et de l'appui financier venant de partenaires techniques et de bailleurs. Ça, c'est encore un autre challenge qu'il faudra adresser dans ce processus. So some of the other issues involve, for example, also the lack of capacities at a local level. So often we need to be aware that community forest will be implemented in rural areas and in the DRC, in the villages, very few people are literate. This might cause challenges to ensure that local communities have the capacity to efficiently manage their rainforest. Another aspect that, another challenge that Theo was stressing is that there is very much a need for greater coordination among donors who want to get, who wants to support the community forest mechanism. Et enfin, le deux derniers défis, c'est la capture du processus par l'élite locale. Il peut arriver qu'en certains milieux, le pouvoir coutumier prend le dessus sur la communauté, surtout que ce sont eux qui vont demander au nom de toute la communauté. Mais aussi, aujourd'hui, il y a des défis liés aux représentants politiques des communautés locales, qui sont par exemple les députés et les politiciens du terroir. Ce sont des gens qui peuvent, en cette période surtout des élections qui se préparent au niveau du pays, ces gens-là peuvent s'approprier, n'est-ce pas, le processus au niveau local, parce qu'ils sont fils du terroir. Aussi, il y a le risque que les communautés locales et les peuples autochtones ne puissent vraiment pas décider quoi. Ce ne sont pas eux qui décident, parfois c'est l'élite qui décide de demander. Et ils entraînent tout le monde. Et là, il y a risque que ceux-là qui bougent tout le monde puissent capturer le processus. One of the major risks that is identified for a successful community forest in the DRC is that there might be a strong tendency for local elites to attempt to capture the community forest processes and to force the implementation or like the accession of a concession title for their personal benefit. So that's a very major threat, and another threat that is like a consequence of it is that local communities might just become, instead of being in the driver's seat, they might just be like puppets that are manipulated by elites for their own benefit. Alors, ici, nous avons la spécificité des peuples autochtones dans ce processus. Là, ça pose des problèmes parce que, au fait, au niveau du pays, on ne reconnaît pas les droits coutumiers des peuples indigènes pygmées sur les terres. Ça, c'est un problème sérieux. Mais aussi, il y a fréquemment les questions de discrimination et de marginalisation de peuples pygmées par les autres groupes ethniques, même s'ils habitent ensemble. Et aussi le fait que, habitant ensemble, il y a cette juxtaposition de droits sur certains territoires entre les peuples indigènes pygmées et les bantous. Ce sont donc des questions qui font que aujourd'hui nous avons une loi au Parlement qui devra adopter les statuts spécifiques des peuples autochtones, reconnaître ces statuts spécifiques, parce que c'est un peuple qui a un savoir endogène qui protège le forêt. Il faudra donc
préserver cet acquis par une loi qui aujourd'hui est en discussion au Parlement. Et donc, la foresterie communautaire peut être vue par le peuple indigène comme étant une opportunité ou un risque. Opportunité si le processus est mené de manière participative, inclusive, de toutes les parties prenantes dans un espace où les gens ont la même histoire. Mais un risque si alors il n'y a pas clarification de droit sur les terres entre les indigènes et les autres peuples, ça sera un risque. Voilà ce que nous pouvons dire par rapport à la spécificité des autochtones dans ce processus. So, to conclude, I would like to briefly mention the specificities of indigenous people and how this relates to community forest in the DRC. So, as I was mentioning earlier in my presentation, out of the 40 million forest-dependent people in the DRC, approximately 800,000 are considered indigenous, pygmies indigenous people. However, even though everybody acknowledged the indigenous pygmy people as the first inhabitant of the Congolese rainforest, they do not have, the Congolese state does not recognize them the status of indigenous. So they are considered as normal Congolese citizens. So their specificities are not acknowledged by the Congolese state. At a local level, those indigenous people, pygmies, suffer like very strong discrimination. That's a very marginalized group, meaning that the other non-indigenous groups do not recognize indigenous pygmy people customary land rights. So currently, the indigenous people civil society in the DRC has been advocating for greater recognition of their specific status. And as we speak, there is a law that is being debated in the Congolese parliament. For a recognition of their specific status. As a consequence of the non-recognition of pygmy customary rights to forest by the other groups, indigenous people customary rights and non-indigenous customary rights very often overlap. And we can see that in this setting, community forest could be either an opportunity for indigenous people if there are sufficient participation that is ensured, if the free, prior, and informed consent of indigenous people is guaranteed through the process. But if it's not, then it could definitely be a threat because only non-indigenous will be able to claim concession title, and indigenous people will be further marginalized. Merci beaucoup. Thank you very much.